Wesh l'équipe, c'est comment? Waza Mekbou, bienvenue sur la chaîne les amis, n'hésitez pas, bienvenue sur la chaîne Waza Rap TV. Voilà, tu connais ton gars aka Big Daddy qui analyse mon ref. On est ensemble. Yo les gars, aujourd'hui on va parler de TLF les gars. Première fois. C'est pas première fois Jaro, première fois qu'on a Ken. Non, première fois. Il parle de la prison, la première fois qu'ils sont tombés, tu vois, etc. Voilà. Donc les gars, on va écouter le morceau ensemble. On va réécouter le son parce que c'est des sons qui datent. Du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que c'est un classique ou pas? À vous de juger. C'est parti. Oh là là. Promenade, deuxième tour. Wesh, arrivons. Bien ou quoi? Bien et toi? Tranquille quoi? Balle et toi? Ouais, moi, de l'ombre. De l'ombre? Ouais. C'est quoi ça? C'est un surnom? C'est un surnom? Ouais, de l'ombre. Bien. De l'ombre. Ouais. Bien la semaine d'arrivant, relou hein. Oh, laisse tomber mon frère, c'est une galère de ouf. Ah ouais, laisse tomber, rien dans la cellule. Ah ouais, je t'ai entendu tout à l'heure chauffer comme un ton là. Ouais, c'est la raconte, laisse tomber. T'es de speed. Ils arrivent, ils prennent pour eux. Ouais, ils sont tous comme ça, ces bâtards là. Mais t'as vu, il faut faire le mec pépère avec eux, sinon ils... Ah, il faut faire le mec pépère hein. Ouais, laisse tomber. Ouais, je parle comme si j'ai déjà fait des bails comme ça. Tu viens d'où? Ah ouais, gros. Donc les gars, surtout, attendez, ça n'a pas encore commencé, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour souligner un truc les gars. Moi je donne mon avis les gars, vous aussi vous donnez votre avis, c'est comme ça les gars, on n'est pas là, pas d'insulte, pas de... Voilà, d'accord? On est ensemble les gars? Allez, c'est parti les gars. Eh, tu ramènes ta fraise ou quoi? Moi Vitry, gros, toi. Moi Créteil, hein, t'as vu? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, y'a des mecs de chez toi en bas là. Ah, ils sont plein de Vitry au premier étage là. Tu connais Cerveau, Omar? C'est qui ça? Des mecs de chez moi. Ah, je connais ce mec. Ouais. Fais semblant. Ouais, si. Mmh, okay, ouais, j'ai appris, c'était tombé. Ouais. Ok, peut faire, t'inquiète, je vais te dépanner 2-3 trucs, tu vois. Hein? Ouais, ok, petit pilon, histoire 2. Vas-y. Tu les dapes. Ouais, vite. Peur alors. Wesh, Nasser. Oui, bien ou quoi? Alors? J'ai attendu la petite gamelle hier, enfoiré, hein. Ah ouais, je l'ai attendu, hein, mais t'inquiète, je suis débrouillé. Mais t'as fait comment? Ouais, petit voisin d'au-dessus, bien, t'inquiète, il m'a mis bien. Abderrahman, on descend, silence. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ouais, sinon, t'es bien quoi? Ouais, non plus. Ouais, je vais me tourner ensemble. Oh. Vas-y, hein. Roule un petit bédo, tu sais rouler? Sinon t'es là pour quoi en fait? Histoire de ouf, il m'accroche pour des vols à ma armée. Commis en 2001, 6 mois sur écoute et cramé. J'avais les keufs sur le dos, 10 jours et nuit me traquait. Sur un contrôle, il me relâche avant d'apprendre que je braquais. Ah ouais, comment? À cause d'un fils de pute qui raconte sa vie dans les dépôts. Je fais ma peine quand je sors d'ici, je le bute. Je me suis paré loin, décidé à pas me rendre. Mon acolyte a tiré l'œil, j'apprends qu'il vient de se faire prendre. Je veux pas apprendre qu'il enfonce le clou qui tombe dans... Ah gros, des lombres, il était énervé ou pas des lombres? La vérité, mais dommage, c'est les genres de rappeurs qui sont boycottés et tout, la télé à l'ancienne, frère. Dommage, hein. Dommage qu'ils sont plus ensemble. Bah, qu'ils sont plus ensemble, c'est-à-dire qu'ils posent plus ensemble, quoi, tu vois. Parce que c'est un groupe, tu vois, c'est un collectif. Et malheureusement, ouais, c'est comme ça, tu connais, hein. Mais franchement, moi, personnellement, le rap à l'ancienne, ça manque, hein. En vrai, ça manque de ouf, les gars, ça manque. Ça manque des trucs, franchement, le rap. Pff. Aujourd'hui, c'est du nimp, aujourd'hui, les gars. Mais tranquille, on est là, on graille quand même, hein. C'est toujours 3 jours de cadavre quand t'as le banc comme siège. Par tête de question, te mettre la pression. Tu t'as d'intimider avec un flingue, subis l'agression. C'est dingue, mais faut assumer. Les couilles, on les avait dans le braco. Il a roi avec un masque, enfilant un starco. Ah, tu dois avoir des tubes alors. La cabale coûte cher, elle peut me sèche. Je prends ma caisse aux enchères et pour... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, classique ou pas? Allez, vas-y, on avance un peu pour passer l'histoire de d'Iqbal. Comme dans leur casque, je m'en bats les couilles des cerfs. Mais mon premier à la school, elle m'a aidé. Leur casque, je m'en bats les... Capital des bracos, c'est ça? Ouais, mais laisse tomber, poteau. Capital des bracos, mon frère, tu es dans la merde. Ouais, mais non, tous dans la merde. T'inquiète, t'inquiète, fume un peu. T'inquiète. Ouais, c'est meilleur, poteau. Sinon, t'es là pourquoi, toi? Ah, tu sais, moi, je suis là, ça fait 4 mois. C'est la troisième fois que je fais du carplat. Machallah, je fais que des petites peines. Je pourrais les faire sur une jambe avec les couilles pleines. À écrire des couples et insulter le système. Ces fils de pute au prix de ta vie et de ce thème. Ma première fois, c'était pour tentative de missile. Après qu'il m'ait remonté, son nu nombre à mon domicile. J'ai prié pour pas qu'il crève cet imbécile. Mon brave a retourné ça en légitime. Non, mes bouga. Non, mais la vérité, mes bouga. Franchement, le rap avant, c'était comment? Moi, je parle pour les anciens, je parle pas pour la nouvelle génération qui sont matrixés par des Jules et tout ça. J'ai rien contre Jules, les gars, hein. J'ai rien contre Jules, mais voilà. Ce que je veux dire, les gens qui sont matrixés, voilà, vous avez capté ou pas? Vous en pensez quoi, le rap à l'ancienne, les gars? Moi, je parle des vrais connaisseurs de rap, tu vois. Non,
Voilà, je dis rien, je dis rien, j'ai pas envie de me faire, voilà quoi, lyncher, frère. J'ai assumé les conséquences de mes actes. T'as vu, j'ai eu la chatte. On se coup de chasse, dans un dans le thorax. Avant de partir, j'ai mis un coup de chatte dans sa race. T'es sérieux là? Ouais, ouais, c'est mon démon qui s'est réveillé. Je l'ai suriné, excité la première fois que j'ai piné. J'en ai 24, ma calvitie à la trentaine. Tu sais, ici, y'a ceux qu'on respecte et ceux qui se plaignent. Ceux qui s'aiment, qui sont victimisés ou sodomisés. Oh, mes baisers. Non, 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 mais la vérité, non, il était. Ça se voit qu'il était zèf, les gars. Ça se voit qu'il était zèf. Bah, en tout cas, alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, sérieusement, clairement, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Du lourd ou pas? Classique ou pas? Classique ou pas, les gars? Alors, attendez. Tu sais, machallah, ça fait 10 ans que je prends des pépettes. Je vais vous faire, au passage, je vais vous faire écouter un petit son d'Iqbal, franchement. Le premier son d'Iqbal. Vas-y, vas-y, c'est parti. Son premier son d'Iqbal. En tout cas, moi, je l'ai connu sur ce morceau-là. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vas-y, mon bébé. Ça sera pas en grenaille. Aïe, aïe, aïe. Moi, je rappe pour les. Aïe, aïe, aïe. Va leur dire qu'on est revenu. J'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bye, c'était ton gars aka Big Daddy, tu connais les gars. Vas-y sur ce les gars, prenez soin de vous, partagez et voilà, on est ensemble les gars. Moi, je suis parti moi pour se mettre en mode aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le rappeur se mange une sanction. Aïe aïe aïe. Mon son une autre quartier. Aïe aïe aïe. Je pète tes cousines si t'es une merde. Je crie en temps, c'est la guerre du rap. Ce coup de balle de capin a ouvert les balles. Appelle en ta mec, ta carrière se perd une hache. Je porte mal les plaques qui causent comme des visages. Attention comment tu parles sur ma religion. Y'en a pas mal qui s'explosent pour sa race de con. Les têtes tombent.